OneFootball sponsorise cette vidéo, merci beaucoup. Cette application mobile qui parle de foot, elle est très complète et complètement gratuite. Je vous conseille d'aller faire un petit tour, tous les liens dans la description. Hey yo tout le monde, c'est SD, j'espère que vous allez bien. On est parti les potes pour la suite de la carrière avec le Stade Rennais. Je tournais minuit, voilà, tout va bien. Hein, journée très très active pour moi parce que voilà, je vous le dis, je vais changer quelques composants PC. Donc aujourd'hui, ça a été un petit peu... Autour de tout ça, on est parti du coup avec Rennes pour 4 matchs aujourd'hui. On a aujourd'hui un programme un petit peu plus allégé par rapport aux semaines précédentes où on a eu de la Ligue des Champions. La semaine dernière, on a eu le 8ème de finale de Ligue des Champions. Retour au Horizon Park contre le Barça. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus calme. Donc la semaine dernière, on avait gagné 3-0 le match retour contre le Barça. 3-1 au cumul des deux matchs. Là aujourd'hui c'est un petit peu plus tranquille, on a Saint-Etienne en déplacement, en réception. On a le déplacement à Toulouse au Stadium, on a les quarts de finale de Coupe de France dans un Celtico à domicile contre Guingamp. Donc match très important. Et on aura la réception de Monaco, donc on a 3 réceptions, un déplacement. La Ligue des Champions ce sera lors de la prochaine vidéo et on aura sûrement d'ailleurs Marseille et Paris en même temps. Donc ce sera... un beau petit programme, puis de toute façon, là, le but, c'est d'aller en demi-finale de Ligue des Champions, voilà. Et puis, petite chose à vous dire, c'est que bah, y en a qui disent que c'est un petit peu trop facile. J'ai galéré pendant 3 saisons, j'ai créé une équipe de ouf, j'espère bien qu'au bout d'un moment, j'ai commencé à gagner des matchs, les gars. Faut regarder toutes les vidéos, parce que là, vous dites, je gagne tout, mais pendant 3 saisons, j'ai pas du tout gagné, hein, bien au contraire. Hein. Quand je me suis fait éclater en Ligue des Champions contre des City, des trucs comme ça, voilà, faut essayer de faire deux poids, deux mesures. Là, j'ai une très belle équipe, donc je gagne des matchs, voilà. Et puis, excusez-moi, mais l'Ajax, est-ce qu'on les attendait à ce niveau-là cette année? Non, pourtant ils ont réussi, donc bon, hein, c'est pas parce qu'on est un petit club qu'on peut pas faire de belles choses en Ligue des Champions. L'Ajax, c'est l'exemple parfait. Tottenham, qui était pas forcément taillé pour aller en finale de Ligue des Champions, ils ont réussi à y aller. Donc, hein, soyez un petit peu tranquille. Soyez, restez flex les potes, restez flex, parce que... Casse les couilles. Hein. Voilà, non parce que... non parce qu'en vrai, des fois vous dites que c'est pas réaliste ou autre... Sauf qu'il y a des choses dans la vraie vie, dans le football moderne, qui sont pas réalistes et qui arrivent. Hein. Je rappelle le 7-1 du Brésil en Coupe du Monde. Est-ce que c'est réaliste? Non, c'est pas réaliste, mais ça s'est passé. Donc les remontadas qui arrivent tout le temps là, hein, en Ligue des Champions, le PSG, Liverpool, tout ça, est-ce que c'est réaliste? Non. Est-ce que c'est arrivé? Oui. Donc voilà, soyez un petit peu flex. Mettez le pouce bleu, c'est très important. Et on y va pour le premier match de cette vidéo. N'hésitez pas à follow les réseaux comme d'hab. Et puis voilà, merci à tous ceux qui font l'effort de regarder quelques pubs sur ma page YouTube. Vraiment merci à vous parce que vous êtes très très cool. Il y a à chaque fois plusieurs personnes qui viennent tous les jours me regarder une, deux pubs et ça m'aide. Donc merci vraiment à tous. Vous êtes géniaux, vraiment vous êtes géniaux. Et il y a le lien dans la description pour ceux qui voudront me récompenser en regardant quelques publicités sur le YouTube. Bien sûr c'est gratuit, hein, je le répète. Merci encore à ceux qui le font. On y va pour ce match les potes, on va faire tourner. On est en veille, enfin non pas en veille, en after on va dire de Ligue des Champions. Donc là franchement on fait tourner de fou, hein. On n'a pas trop le choix, l'équipe est crevée. Donc on va faire tourner. On va jouer Saint-Etienne, une équipe qui nous pose souvent des problèmes, donc ça va être un petit peu difficile. Rudiger, ouais, je sais pas qui mettre à sa place, on a beaucoup de fatigue. Voilà, Fuchs, hein. Fuchs va dépanner en défense centrale, les potes. On va mettre Papé Diouf, non c'est pas Papé, si, non c'est Yevan Diouf. Valet sur le banc, on va mettre King sur le banc, Tosé sur le banc, Chevalier sur le banc. Ouais, et voilà. Voilà. On va partir ainsi les potes pour le match. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous plaira. Le pouce bleu si vous aimez. Ce premier match, on va se mater les meilleurs moments. On va se mater les meilleurs moments. C'est parti. Allez, c'est parti. Il fait beau. Il fait beau au Horizon Park pour ce premier match de la vidéo. Je suis en forme malgré l'heure tardive. Mais les mots sont un petit peu compliqués à sortir de la bouche quand même. Allez, on va essayer de faire la meilleure vidéo possible, elle est relax aujourd'hui, franchement on a un programme un peu plus allégé. J'ai quand même envie de gagner, j'ai quand même envie de battre Guingamp dans le Celtico, donc ça va être sympa. Et là on va affronter les Stéphanois, vous remarquez que j'ai toujours rien dit sur eux alors que je suis lyonnais, petit effort de ma part.
Alors, leur équipe, la voici, on a Ruffier, Léo Lacroix, toujours le petit Diakos, là, je sais pas si c'est pas un grec. Blas Riveros, toujours latéral gauche. Ils ont Matteo Darmian, latéral droit. Guilherme Mvila, Murg, qui est toujours là. Honora, Nordin et Hernandez, qui est très remuant. On l'avait eu lors d'un match récemment. Et c'était une vraie pépite. On y va pour les meilleurs moments. Oh! Le poteau directement de Renato après 5 minutes de jeu. Renato Sanchez qui va trouver une belle situation de frappe. Elle est... Ouais, elle est pas flottante mais elle est très 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 à ras de terre. Elle colle le sol et elle va taper ce poteau. Oh là là, Renato il est intéressant de loin comme ça. Renato toujours il est bien placé pour essayer de décocher une frappe. Et encore une fois, il est bien placé, il fait une très belle frappe et on a une super parade de Ruffier, main droite. Allez, oh, il est bien joué ça. Oh, c'est bien joué, Blas Riveros qui va de nouveau toucher ce ballon, nouveau corner. Pour les Rennais, on est dans un bon temps en ce moment, mais voilà. Le premier but, je vais pas crier par contre aujourd'hui, je vais éviter de crier parce que, bah, il est minuit quoi, il est minuit. On va éviter de crier quoi, c'est normal, vous comprenez bien. En tout cas, un 0, magnifique but de Renato. Je vous l'ai dit, je le sentais bien dans cette vidéo. Je le sentais bien dans ce début de match, il était très intéressant. Et c'est Musonda qui fait le corner. Il tape très très bien, et puis la tête de Renato. Voilà, il le mérite, parce qu'il fait un super début. Il monte plus haut que tout le monde. Et il vient trouver Stéphane Ruffier. Ça fait 1-0 pour les Rennais. Et c'est le deuxième but seulement de Renato en Ligue 1. Ouh là là, c'est un peu violent depuis tout à l'heure les charges qui se prend Musonda, ça fait deux fois qu'il s'est un petit peu fauché, il va devoir sortir. Musonda blessé qui va laisser sa place à Chevalier. Et ouais, bah, il s'est pris des gros tampons hein, depuis le début du match. Oh, pourquoi pas? Ouh, je l'ai vu dedans. Musonda qui sort, ça me fait un peu parce que ça me fait casse les couilles. Voilà, parce que bah, c'est un joueur qui est très important dans la rotation d'équipe hein, que j'ai recruté et que j'aime bien parce qu'il est assez intéressant, grosse qualité de percussion. On va peut-être le perdre pour une longue durée. On a la Ligue des Champions donc c'est un petit peu pénible. Oh, c'est bien joué. C'est bien joué Coco qui va buter sur Ruffier. Qu'est-ce que c'était intelligent de la part de Guitane, hein, toujours aussi mal, hein, Guitane, c'est vraiment son registre, la malinerie. Et la Renato, l'enveloppé de Renato, l'arrêt de Ruffier une nouvelle fois. On est pas mal hein, dans ce match, on avait fait quelques matchs un petit peu moyens, à part le Barça où vraiment j'ai l'impression qu'on a été un petit peu non seulement galvanisé, mais nos précédents matchs ils étaient pas forcément bons parce que les joueurs avaient la tête un petit peu au Barça. Et bien là, j'ai l'impression qu'on joue un petit peu plus relâché depuis cette qualif. Je trouve que le club avait été un petit peu, enfin, était un petit peu sous pression avant de jouer. Ce match au Razon Park contre le Barça. Et finalement là on est un petit peu plus libéré parce qu'on a eu la qualif et qu'on tenait vraiment à gagner ce match. Et encore Ruffier qui s'envole. Beaucoup d'arrêts de la part de Ruffier dans ce début de match. Ouh, Yevan Diouf, première parade, attention, ça revient sur Nordin. Le retrait Guilherme. Et voilà, et Diouf qui est très efficace dans cette... Dans cette partie, c'est la première parade. S'il se prend un but maintenant, c'est vrai qu'on va lui en vouloir parce qu'il a rien eu à faire du match. Attention malgré tout à cette équipe stéphanoise qui peut nous faire du mal. Là maintenant, on a Chevalier. Chevalier, le petit ballon en profondeur. Il a pas suivi. Il a pas suivi. Il avait fait un appel, mais il n'avait pas poursuivi son appel. Attention à cette équipe stéphanoise. On sait qu'elle a beaucoup de ressources et qu'elle peut encore revenir. Il n'y a que 1-0. Oh, c'est bien joué ça. À l'heure. Allez, à l'heure. Et le voilà, le deuxième but. Sébastien, à l'heure. Qui double la marque. Et merci, merci qui, merci Rafi qui nous a fait une passe D somptueuse. 2-0 pour les Rennais face aux Stéphanois. Ça fait plaisir dans un classique de Ligue 1 parce que franchement, c'est pas un classico mais c'est un match classique. C'est vraiment l'une des affiches de cette Ligue 1, c'est un match antique. Et puis là, c'est très très bien joué. Dans la profondeur pour Sébastien Leur. Emballer ses pesées, dira-t-on. Et l'efficacité de notre buteur remplaçant. Voilà, et quel buteur, hein, parce que quant à Aubameyang, il faut que le remplaçant soit bon, parce que sinon ça se voit vite l'écart de niveau. À l'heure, il en est déjà à 8 buts en Ligue 1 cette saison pour un remplaçant, c'est quand même pas mal.
Allez, c'est terminé, ce sera une victoire 2-0 face à Saint-Etienne. J'en ai marre de dire cette phrase parce qu'elle est trop dure à dire. Face à Saint-Etienne, écrivez tout ça dans les commentaires, c'est dur à dire. Dites-le devant chez vous, devant la vidéo, face à Saint-Etienne. Ah, dites-le et dites-moi si vous avez galéré. Mais vu que vous êtes les boss, vous n'avez pas galéré, je le sais très très bien. Casse les couilles. Hein. Voilà. Allez, on est parti pour la suite de cette vidéo. Premier match assez sympa, on a fait notre travail, on a gagné 2-0, on a été bon. On a eu une petite frayeur en début de deuxième mi-temps, mais on a quand même maîtrisé la rencontre. Et du coup, tout va bien. On va maintenant jouer, non pas notre dauphin parce que le PSG est passé devant. On va jouer le Toulouse Football Club. J'ai failli dire Stade Toulousain, c'est un petit peu con. Ouais, surtout que c'est les ennemis jurés de mon club de cœur, au rugby, le Castres Olympique, bien sûr. Donc voilà. Alors... toujours Magallanes de blessé. Est-ce qu'on a une blessure? Alors, est-ce que le joueur blessé est blessé longtemps? 8 jours pour Musonda, donc c'est quasiment rien. Donc il n'y a pas de galère à ce niveau là. J'ai envie de voir si on n'a pas le tirage au sort. Ah, tirage des quarts de finale. Stade Rennais contre Valence. On va jouer Valence. Trop cool. Bon, on a un tirage assez favorable. C'est l'une des équipes les plus faibles sur le papier. Sur le papier, encore une fois. Mais ça va être trop trop cool comme match. C'est un club que j'ai fait sur FM en carrière. Donc c'était sur la chaîne YouTube, sur FM19. Donc ça va être trop trop cool de les jouer. Je suis vraiment content de cette affiche. Elle est assez originale. C'est pas un gros, donc ça peut être encore plus intéressant. Donc je suis très content de jouer Valence. Honnêtement, je suis très très content, c'est trop cool. Ok, mais ce sera Valence lors de la prochaine vidéo. Ce sera Valence avec déjà les deux matchs de Valence la semaine prochaine, donc ce sera trop trop cool. Mais voilà, je suis très content, franchement. Et du coup, le PSG, ce sera dans deux épisodes. Le choc face à notre dauphin. On va jouer le Toulouse Football Club qui fait une énorme saison. Ils sont actuellement 3e. Ils viennent de perdre leur place de second... à l'instar du PSG. Du coup, on y va. On va mettre... Tosé, non. King. Allez, on met King remplaçant. Avec Dodo et Firpo. Il n'y a pas de galère. C'est parti pour ce gros match. On met l'équipe type. Face à Toulouse. Stadion repas. Bon, pourquoi pas. C'est parti. Allez, on est parti, les gars. Pour le match très important entre le premier et le troisième. Un bon petit match. Dans un stadium qui ressemble à peu près pas à un stadium, mais bon, je connais bien le stadium de Toulouse, hein, j'y suis allé beaucoup de fois, j'y vais chaque année pour TFC Lyon, donc je connais bien. On est parti, on va regarder cette compo toulousaine, parce que c'est quand même intéressant de savoir avec quel joueur ils arrivent à être à cette place-là, pardon. Alors, ils ont René Julien, bien sûr, qui a signé, je crois, en Écosse. On a Lucas Lima, ok. Mariano, l'ancien bordelais. Chiriches, c'est le roumain qui jouait à la Roma avant. Jessipi, l'ancien monégasque. Racic, je connais pas du tout. Lebold, Garmash, Corentin Jean, bien sûr l'ancien troyen. Et Abdoulaye. Il y a pas mal de joueurs qu'on connaît pas du tout dans cette équipe toulousaine. Ça va être sympa de voir aussi un petit peu quel style ils ont au niveau du jeu. Oh, Pavlenka, la première action réelle du match. C'est Pavlenka, tout simplement, qui dit non. Qui dit non à l'attaquant espagnol, non, à l'attaquant toulousain. Bon, bah écoutez, on est dans un début de match un petit peu difficile. On n'arrive pas trop à se créer du jeu. Ouais, voilà, encore une fois, une interception toulousaine. On n'est pas bon depuis le début du match. J'ai l'impression qu'ils sont très très préparés à ce match. Ils ont beaucoup d'envie, les Toulousains, et ça nous bloque complètement. On a eu plus de mal contre Toulouse que contre... Contre Barcelone pour l'instant. Il va falloir faire mieux là. Oh là là, Renato qui est pas loin. Je l'ai fait rentrer à la mi-temps. À la place de Draxler que j'ai pas trop trouvé dans ce match. Il était pas trop dedans. Et là on est pas loin de trouver le cadre. René qui était battu, je pense. Corner. Et René qui va arrêter la tête d'Aubameyang. C'était la meilleure occasion pour les René. Je vous l'ai dit, on est pas dedans, là c'est peut-être un peu mieux en deuxième mi-temps, on verra comment ça va évoluer. Mais c'est vrai que pour l'instant on est un petit peu en dessous de nos capacités, de notre talent. Et je pense que c'est beaucoup la cause de Toulouse qui joue très très bien. Oh là là, Aubameyang il marque tout le temps, il est exceptionnel.
Richard, il est inarrêtable. Parce que là, il est compliqué. La première incursion d'Aubameyang dans ce match, j'aimerais mort avec la belle technique, il la donne. Et puis là, le talent, parce qu'il arrive à se défaire de ses adversaires, de ses opposants. Julien qui est au contact, mais voilà, il arrive à trouver un angle de frappe un petit peu improbable. Je crois que René la touche légèrement. Ça va quand même au fond. 1-0 pour le Stade René. Nouveau but de Pierre-Emerick Aubameyang. Oh là là! Oh là là là! Putain, sans déconner, les gars! Le rush de Marcus Coco qui a failli aller au bout. Il tape le poteau. Il a décidé, depuis le début de l'action, d'aller au bout. Souvent, il le fait, hein, ce genre de truc. Là où Emre Mor est plus passeur dans ce genre de situation, Coco, lui, il est plus finisseur. Il a envie d'aller au bout. Voilà, c'est des styles, hein, comme des autres, comme un autre. Et là, pourquoi pas? Ouais, non, on a du mal, hein, à se positionner. On a du mal à se coordonner. Attention quand même, pourquoi pas? J'ai levé les mains, mais c'est pas fini. C'est pas fini. Voilà, le deuxième but. Il est magnifique. Et c'est Marvelous Nakamba qui va d'ailleurs, je crois, signer à Aston Villa. Comme quoi, il y a une cohérence entre mes carrières. Voilà, enfin, il y a une cohérence. Il y a une petite synchronicité, on va dire. Parce que Nakamba, qui est l'une des égéries de ma carrière avec Rennes, signe dans l'une de mes autres carrières. C'est marrant. Puis là, la récupération haute sur une mauvaise relance. Et puis, Aubameyang a une touche. Et là, le piqué somptueux de Nakamba. Qu'on retrouvera du coup avec Aston Villa. Dans la vraie vie, bien sûr, dans la vraie vie en première ligue sur Canal+. Pas sponsor Canal, hein. Dommage. Envoyez l'argent. Ben voilà, écoutez. 2-0, c'est le tarif du jour. Et je suis très content de gagner ce match, c'était important. On n'a pas forcément été très très bon tout le temps. Je suis champion, déjà ? Je suis champion. Bon, je rappelle que je suis obligé de parler en même temps que la musique des buts de Rennes. Parce que sinon, certaines vidéos ne sont pas disponibles. Sont démonétisées, etc., etc. Donc, c'est très pénible. Donc, je suis obligé de parler en même temps que cette musique qui est très cool. Mais vous le savez, hein, c'est Dépêche Mode. Donc, c'est forcément sous licence. Là, j'ai réussi à faire une petite version qui se fait pas détecter par YouTube. Donc, voilà. C'est pour un petit peu... le fun et la coolitude des vidéos, donc c'est important. Bon, mais écoutez, victoire, le Stade Rennais est champion de France. Déjà, j'ai envie de vous dire, c'est très rapide dans la saison. Face à Toulouse, notre dauphin éternel de cette saison, qui est passé troisième, mais à la base, dans la saison, ils ont très souvent été second, même quasiment tout le temps, toute la saison. Et on les bat 2-0 dans un match avec une première mi-temps à géométrie variable et une deuxième mi-temps bien mieux. Et voilà, ils sont champions déjà. Ça fait plaisir, je suis content. On retrouvera c'est qui est avec? C'est même pas Fuchs. C'est même pas Fuchs qui est en conférence de presse. C'est Draxler. Ah ouais, de loin, je reconnaissais pas forcément Draxler. Et ben voilà, il est grenier champion déjà. Je suis assez heureux d'être déjà champion. La Ligue 1, je voulais voir. Du coup, on est champion à seulement 30 journées de la fin du championnat. C'est très précoce dans une saison. On a le PSG qui a fait 11 matchs nuls, donc ça explique beaucoup pourquoi on est champion aussi vite. Le PSG n'a pas été bon du tout dans cette saison. Saison très ouverte finalement pour les outsiders. Mais nous, on a été vraiment trop réguliers dans la saison. Donc on s'est rapidement placé pour le titre. On y va du coup pour le match, le Celtico contre Guingamp. On va faire tourner les potes. Hein. On va faire tourner à fond. Muzonda de retour de blessure, on va mettre André. J'adore faire ça. Firpo, on va mettre Dodo, on va mettre tout ça. Ouais, la défense centrale est en place. Le banc. On met des remplaçants habituels également. Hop, on met Chevalier. Et on va partir ainsi. Voilà, on part ainsi pour le Celtico dans ses quarts de Coupe de France. C'est parti. Allez, c'est parti, Celtico! Oh! Dans ces quarts de Coupe de France, on a envie d'aller la gagner et de faire un doublé en Coupe de France que championnat. On a déjà le championnat, il manque plus que cette coupe, donc ça va être important pour nous de bien figurer, de la gagner. Je vous montre la tactique de Guingamp, avec toujours leur gardien, là, Fernandez. Ils ont Koita, Niakate, le très bon Niakate en défense centrale. Figueras, Traoré sur les côtés, Firi, Fofana, Ritter, Brady, Salibur et Julan, je sais pas, Julan ou Julan en pointe. C'est parti, ils ont une équipe bien remaniée une fois de plus, ou avec beaucoup de nouveaux joueurs.
Ça va être sympa. Ouh, André. Oh, il t'a lâché une frappe, André. Si ça rentre, celle-là, c'est... Un but de l'année, quoi, comme d'hab. Non, la frappe, je l'ai vu partir, j'ai fait... Oula. Bon, elle est bien à... Oula, elle est bien à côté, 5 mètres à côté, mais... Elle portait bien, quoi. C'était une praline, quoi. C'était sympa. Oh, c'est bien joué. Allez, Musonda. Non, le raté de Musonda. 10e minute de jeu. Il nous rate un truc pas possible, le Belge. Le piqué est magnifique. Et puis là, contrôle, frappe. Ah ouais, non, ça doit finir au fond. Ça, c'est vraiment dommage. Oh, Rafik. Non, mais hey, ils veulent tous mettre des clips. Hein. Ils veulent tous mettre des clips. Sombrero, frappe enchaînée de Rafik Guitens. Ça passerait juste à côté. Il a tenté. Moi, j'aime bien que les joueurs aussi tentent. On a une liberté créative assez importante dans notre équipe. On laisse les joueurs s'exprimer avec leur qualité et leur inspiration du moment. Ils sont pas enfermés dans un dispositif. C'est un petit peu ma philosophie, hein, c'est laisser parler le talent. Et tout en ayant une assise défensive, hein, c'est très important. Mais voilà, du coup, moi, je les laisse. Je permets ce genre de geste. Ça me dérange absolument pas. Et puis, des fois, ça rentre. Donc, c'est aussi ça qui est beau. C'est quand c'est pas forcément prévu et qu'on voit des choses spectaculaires. Koita qui défend très bien. Oh là 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 là, l'arrêt du gardien Fernandez encore une fois. Hier Fernandez qui est un bon portier. On l'avait vu pas mal de fois dans cette saison. Et encore une belle défense de la part de Guingamp. Ils sont sous l'eau avec un scaphandre. Mais ça tient pour l'instant. Ça tient fort. Et nouvelle possibilité. Niakate qui dégage en corner encore. Une pression supplémentaire sur la cage de Fernandez. Et Koita qui défend superbement également. Mais on est vraiment en train de prendre l'assaut là. C'est un château fort qui va s'écrouler bientôt peut-être. Fernandez Seyer qui capte encore une fois. Pff, compliqué les gars de marquer. Hein. Oh là là, Julian Draxler. La parade de Fernandez. Le centre enchaîné. Et là le but. C'est inévitable. Premier but de cette rencontre à la 45 plus 1. Et ça part d'une frappe, d'une inspiration de Julian Draxler qui a frappé dans les 30 mètres. L'arrêt, malheureusement, Musonda qui suit, qui fait la passe des magnifiques pour notre numéro 9, Sébastien Haller, qui a signé à West Ham, hein, si je ne me trompe pas, c'est West Ham, pour 50 millions d'euros quand même. Donc c'est énorme en termes de transfert. Et puis voilà, la tête elle est parfaite. À l'heure, je vous l'ai dit, hein, qui marque encore et encore. Entre lui et Aubameyang, ça marque énormément. Ça fait 1-0 pour les Rennais à la mi-temps. Attention! Oh lolo, le corner très dangereux. Pavlenka, il est incroyable. Vraiment, c'est une révélation, Pavlenka. On n'en parle pas beaucoup. Il y en a un qui me l'a souligné dans les commentaires de la semaine dernière. Que ce gardien est juste incroyable parce qu'il te fait masterclass sur masterclass. Il a pas beaucoup de parades à faire, mais dès qu'il a une parade importante où il doit sauver les meubles, il est là pour la faire et nous sauver et nous permettre de rester en vie. Coco qui va buter sur Traoré. Oulala, il jouait un petit peu avec le feu pour essayer de relancer proprement. Donc bon, Pavlenka, je pense qu'il sera dans votre top 3 de la saison parce qu'il est quand même assez énorme. Et encore Julian, l'arrêt de Fernandez, il essaye, Julian c'est bien. Nouvelle possibilité sur corner, c'est encore une fois dégagé par Niakate. Et ça va revenir peut-être, non. Allez, peut-être une nouvelle solution ici, c'est bien joué. Dans la profondeur avec Coco. Et ben voilà, l'ancien joueur des Guingampais, de Guingamp qui ne célébrera pas. Voilà, ça c'est très fair play de sa part, honnêtement. Il ne célébrera pas, il met les mains en l'air. J'ai rien fait, je me rends. Donc c'est un beau geste de Marcus Coco quand même, qui ne célébrera pas contre son ancienne équipe, dans son ancien club, son club formateur. Et c'est beau. Lui d'ailleurs qui a signé à Nantes. Voilà, dans la vraie vie. Il a signé à Nantes, Marcus Coco. Donc on va lui souhaiter beaucoup de réussite. D'ailleurs, le CM de Nantes qui a mis la musique Chéri Coco sur la présentation du joueur sur Twitter, donc big up au CM de Nantes, hein, ils sont complètement malades, et c'est CM complètement fou, voilà. Ah
Allez, oh, j'ai cru que c'était dedans. Tout le monde l'a vu dedans. Cette occasion de Julian, encore lui, il essaye. Franchement, Julian, il mérite tellement, quoi. Il s'applique et tout, il te fait des extérieurs du pied magnifiques. Pour essayer de la mettre au fond, ça va passer juste à côté. Ça ne veut pas pour Julian, il nous a mis l'un des plus beaux buts de cette année. Lors d'un épisode, il est disponible en best-of, le but qu'il a mis. N'hésitez pas à aller voir les best-of, hein. Merci à Shadow qui les monte. Et encore une fois, une belle situation. Ouh, encore une belle situation. Guingamp pèse encore, il n'y en a pas eu non plus beaucoup. Hein. Brady, numéro 7 de cette équipe, qui va décocher une magnifique frappe. Et Pavlenka, je pense qu'elle était peut-être pas cadrée, mais qui prend pas de risque. Deuxième corner pour les Guingampais. Oh là, attention, Pavlenka quand même là qui fait une petite boulette. Mais il se rattrape. Bien sûr, Pavlenka. Écoutez, Pavlenka, il voulait juste gonfler les stats et faire plus de parades. Je pense que c'est ça. Allez, c'est terminé. C'est une qualif pour le prochain tour de cette petite Coupe de France. Un match sobre, mais efficace. On a été assez bon. Quelques parades de Pavlenka, mais voilà. Guingamp, c'est de l'adversité quand même. C'est pas rien. Donc, c'est logique. Nancy qui va passer dans la suite de cette Coupe de France. Ils vont aller en demi-finale. On a un Sud PSG Chamois et LOSC contre Montpellier. Donc, il reste encore une équipe outsider, voire très outsider, et ensuite des belles équipes de ce championnat de France. Donc ça va être sympa. Allez, on va avancer les gars pour le dernier match de la vidéo. On va regarder seulement les buts de ce match là puisqu'on a quand même fait 3 matchs avec les meilleures actions. Donc on va se relâcher un petit peu avec ce match là on a Toulouse qui est descendu à la 4ème place avec le match supplémentaire de Lille. On y va pour ce match contre Monaco. Et on sera sûrement champion. Enfin, on va soulever le titre à la fin de ce match. Donc, ça va être très très cool de finir comme ça. Alors, on va juste mettre une équipe plus compétitive sur le banc. Parce que là, c'est vrai qu'ils sont un petit peu morts, les mecs. Avec Renato Sanchez titulaire. C'est parti, les gars, pour ce dernier match de la vidéo avec seulement les buts. On y va. Allez, c'est parti, on y va. Il pleut. Alors qu'il pleut jamais, putain. Casse les couilles, hein. Il pleut jamais en Bretagne, ça saoule franchement. Première fois de l'année qu'il pleut. Casse les couilles. Hein. Non, là vraiment. Bon, il pleut, non, franchement, les gars. Bon, je monte la compo quand même. Je fais un effort, je vous montre la compo. Non, c'est pas ça, SD. Je vous montre la compo de Monaco, mais là, il pleut jamais normalement, les gars, non. Bon, il y a Prior en cage en Aquates avec Jamerson, Kappa, Ander Kappa avec Lato, il y a des Espagnols sur les côtés. Golovin, Aït Benacer Bochilia, Jason, Baldé et Romero en pointe, une équipe sympa de Monaco, on verra ce que ça va donner. Allez. Hop là, le premier but. Que demandez-vous de plus? 3 minutes, but. Écoutez, c'est l'engagement, vous l'avez vu, l'angol. Magnifique. Franchement, les gars, fut, c'est scripté, on met des angols. Hein. Franchement, je vais aller sur PES cette année. Hein. Fou là là, je suis un youtubeur fut et je dis chaque année que je vais aller sur PES, mais je reste sur fut. Bonjour, je suis le youtubeur. Non, SD, tu fais des polémiques avec les joueurs. Non, les youtubeurs fut, arrête. Non, SD. Arrête, après ils vont tomber sur cette vidéo et ils vont me faire franchement le mode de carrière, c'est que des connards. Arrête SD, arrête. Bon allez, 1-0, but, yes. Ouais, tu joues contre l'ordinateur SD, t'es une petite merde, nous on joue contre des mecs en ligne, en rage, et voilà. Moi je m'amuse et je rage pas, je suis très content. Troisième but pour Renato dans ce championnat de France. Et pourquoi je prends cette voix-là quand je parle comme vous? Je sais pas. 1-0. Oh là là, quel bijou! Mais quel bijou! Vous aimez bien quand je dis, oh, c'est un bijou! C'est un bijou! Vous aimez bien ça? Ouais, je sais, vous aimez bien. Allez, Corona, ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu. Corona, il était un petit peu en deçà de ses performances de la saison. Et là, hop, le clip, voilà, hop. Hey, même moi, je me disais ça dans le match. Je me disais, oh, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un joli but de Corona ou même un but de Corona. Bah, il te met un clip, voilà, il te met un clip, un petit but de skill dans la déstabilisation de l'adversaire. Très très intéressant ce but de Jesus Corona, joueur que j'aime beaucoup. Et voilà, ça fait 2-0, Monaco en sang, Monaco à terre, Corona 8ème but en championnat. Parce que c'est dégagé devant. On est dans une phase de conservation du balle.
Aïe, le but égalisateur, réducteur, pardon, de Monaco. On a eu un peu de réussite, mais là, c'est revenu, c'est du ping-pong. Donc, c'est compliqué quand c'est comme ça. Hein. Là, c'est des buts, on peut pas faire grand-chose. Même Pavlenka, il est un petit peu couillon sur le coup, mais il peut rien faire parce que là, on a Rudiger qui est trop court. Poteau, ça revient sur Bochilia, 2-1 pour le Stade Rennais. Mais là, il se fait poignarder en haut, en bas, le mec. Alors, c'est compliqué de réagir, il peut rien faire le portier, c'est une petite faute de placement juste après la mi-temps, on est un petit peu au vestiaire encore dans les têtes, et on se prend ce joli but, non, parce que finalement, si la frappe de base avait été marquée, ça aurait été un joli but, mais le flipper c'est pas forcément trop macabre, hein, au niveau de la jolitesse, ça veut rien dire, des buts, pourquoi pas, non, ouais, non, on aurait pu marquer, mais non. C'est terminé dans un match hyper difficile. Honnêtement, l'un des matchs les plus mauvais de la saison, non, parce que on a mis deux buts très 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 cool en première mi-temps, on a été bon en première mi-temps. La deuxième ascension unique pour la AS Monaco, on a quasiment rien fait. Beaucoup de mal à se trouver. Un Pavlenka, mais vraiment exceptionnel. Il était. Franchement, il faut brûler des cierges, faut brûler des trucs, faut, je sais pas, faites la fête, brûlez votre cahier de vacances. Si votre sœur vous fait chier, non, la brûlez pas quand même, parce que. Parce que ça sent mauvais, une femme brûlée. Donc peut-être, ouais, je sais pas, mais faites des trucs, quoi. Parce que là, Pavlenka, floquez-vous des maillots Pavlenka, parce que sans déconner, Jerzegol est là. Magnifique, franchement magnifique. Est-ce qu'il a marqué Stade Rennais, du coup? Non, je pense pas. Sur le trophée de la Ligue 1, deuxième fois en 4 saisons que je gagne cette compétition. Donc je suis très très content, bien sûr. La Ligue 1, tout simplement, est soulevée par Jean Fuchs. Et non, je ne dirai pas Jean de Fuchs, je dirai Fuchs jusqu'au bout de ma vie. Parce qu'on dit Fuchs et pas Fuchs, même si j'ai tort. J'ai raison. Jean de Fuchs, non. Jean de Fuchs, oui. On est champion, les gars, ça fait plaisir. Bien sûr qu'on va pas sauter au plafond, on s'y attendait quand même énormément. Et on va juste profiter, mais voilà, on est déjà champion. Le peuple rennais qui est champion aujourd'hui. Voilà, j'espère que ça fera plaisir à tous les rennais. Et aux autres, bien sûr, qui suivent et qui kiffent cette carrière, vous êtes très 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 nombreux à regarder. Donc merci à tous encore pour vos retours et tout, toute la sympathie que vous me dégagez. On est champion. Bien sûr qu'on le savait, que la saison a été facile en championnat. Mais ce qui compte maintenant, c'est la Ligue des Champions, c'est la Coupe de France. C'est nos deux grosses compétitions qui restent. Bien sûr, la Ligue des Champions, c'est la priorité. La semaine prochaine, vous avez la double confrontation face au Valence FC, nouveau club espagnol dans notre course à cette coupe aux grandes oreilles. Donc voilà, je suis content, on profite. Et puis l'équipe que j'ai réussi à faire, quand même, je la trouve réaliste, premièrement. En 4 saisons d'avoir ces joueurs-là, c'est pas impossible. Voilà, on a fait venir des stars parce que c'est des stars qui étaient en déclin. Oscar, on l'a perdu de vue. Pourquoi pas le voir venir à Rennes avec un super projet. Draxler, c'est un kiff. En quatrième saison, il faut se dire que Rennes, c'est plus du tout la même aura qu'au début de la première saison. Donc voilà, faut replacer dans le contexte également, hein, dans cette carrière. Des transferts qui ne seraient pas réalistes en première saison peuvent l'être en quatrième saison. Et voilà, c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Des fois, vous dites que c'est pas réaliste, mais vous êtes idiot, peut-être un peu, non. C'est bien sûr que c'est pas réaliste de recruter Draxler à Rennes en première saison, mais après 4 saisons, c'est peut-être réaliste. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Bref, la semaine prochaine, vous avez... 2 semaines de repos. Déjà, premièrement, on se repose pendant 2 semaines, hein, ça fera pas de mal. On aura le déplacement à Caen pour bien préparer le premier match contre Valence. Le premier match, ce sera le déplacement du côté de Valence. On aura ensuite la réception de l'OM et le match à domicile contre Valence. Donc ça va être cool, 2 déplacements, 2 réceptions. Ça va être chaud. La Coupe de France, voici les affiches. On a Rennes, LOSC et Nancy PSG. On recevra dans cette Coupe de France, c'est plutôt un avantage. Mais ça, ce sera la semaine prochaine, bien sûr. On espère, bien sûr, une qualif lors de la prochaine vidéo pour la suite de la Champions. C'est bien sûr l'objectif. Et voilà, on va avancer, les gars. On va avancer un petit peu. Hop, les entraînements. Valet qui va passer à 67 de général. Chevalier est monté à 71, donc ça monte assez bien du côté des jeunes joueurs. Du côté des minots, des Titi René. Et voilà, c'est setup, tout va bien, on est bon. Le retour de Lisandro Magallan. Le retour de Magallan, il pourrait être titularisé pour le match face à Valence. Il sera peut-être un peu juste, on verra. S'il a le pansement, je pense qu'on le mettra pas, on verra.
Bon, ben voilà le classement, hein. On est déjà champion. 30 points d'avance sur Paris. Bon, j'ai pas besoin de vous dire que c'est beaucoup, hein. Vous avez bien entendu compris. La Coupe de France, les demi, les voici, on est bien en place. La Coupe de la Ligue, c'est une finale PSG Montpellier. Et la Champions League, on a les quarts de finale avec Tottenham, Real, Valence, Rennes, Chelsea, Leipzig et Atletico Juve. Pour la Ligue Europa, on a Sporting Rome, City, Liège, Schalke 04, PSG, Bayer, Leverkusen et Wolfsburg. Pas mal d'équipes allemandes quand même dans cette Ligue Europa. Au niveau des stats de mes joueurs, je vous montre ça et on finit là-dessus la vidéo. On a 18 buts pour Pierre-Emerick Aubameyang, 10 buts pour Sébastien Haller, 8 buts pour Corona et Oscar. Le meilleur passeur, ça reste Rafi Guitane avec 9 passes D devant Nakamba 8. Corona et Mremor sont à 7. Les augmentations, on a le plus 9 de Chevalier qui a énormément progressé, le plus 5 de Dodo, quelques autres augmentations. Et en diminution, on a juste Aubameyang qui reste malgré tout très très fort. Il a beaucoup perdu en vitesse, hein. On va pas se mentir qu'il a un petit peu moins de peps qu'avant, voire beaucoup moins de peps qu'avant. Mais il reste très bon. Voilà, il reste très bon, il reste goléador et je suis très content de l'avoir. On se laisse là pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, le pouce bleu si c'est le cas. Je vous fais des bisous, c'était SD, à demain. Tchuss!